J'espère qu'il se souviendra que le gibier est malin, qu'il faut être discret, avancer doucement. Arrête de te faire du mauvais sang. Tu es pire qu'une vieille guenon. Alors, tu as réussi? J'ai absolument tout raté. Akela voudra plus jamais que je chasse avec lui. Oh, non. Raconte-nous plutôt ce qui s'est passé. Faona m'a fait un croche-patte. Oh, ça ne m'étonne pas de lui. C'est vraiment honteux. Ne t'inquiète pas. On va demander à Akela de te donner une seconde chance. Il ne pourra pas refuser quand il connaîtra toute l'histoire. Non, ça m'étonnerait. Akela m'a dit qu'il ne voulait plus que je vienne chasser avec la meute. C'est ridicule. Ce dont tu as besoin, c'est d'une seconde chance pour faire tes preuves. Attends-nous ici. Nous ne serons pas longs. Tu sais maintenant que Mowgli mérite une seconde chance. Je suis conscient que Mowgli et Faona ne s'apprécient pas beaucoup, mais... Faona a toujours tout fait pour écarter Mowgli de la meute. Très bien. Dites à Mowgli de me retrouver au point d'eau au coucher du soleil. Je m'assurerai personnellement que Faona reste en dehors de tout ça. Si ça se trouve, j'aurais raté mon épreuve même si Faona n'avait rien fait. Et si Akela avait raison, je suis peut-être pas assez douée pour chasser avec la meute. Ça veut dire que mon plus grand rêve ne se réalisera jamais. Non, pas du tout, tu te trompes. Tu n'as jamais entendu parler de l'arbre à souhait, toi. Ça se voit. L'arbre à souhait ? Exactement. Grâce à lui, ton rêve de chasser avec la meute deviendra réalité. Ça serait vraiment génial. Mais tu es sûr qu'il existe pour de vrai cet arbre? Bien sûr que oui. J'y suis allée et j'ai fait le vœu de ne plus ressentir la douleur. Et il a été exaucé. Regarde. Hein? Alors, tu vois? Ça chatouille. Si tu n'es pas intéressée, je n'aurai aucun mal à trouver quelqu'un qui le saura. Faona, par exemple. Non, attends. Je pense que je devrais quand même essayer. Excellente nouvelle. Non seulement tu vas voir que l'arbre à souhait est bien réel, mais en plus de ça, c'est l'une des plus belles choses qu'on puisse trouver dans la jungle. Incroyable. Comment on fait un vœu? C'est très simple. Il faut te frayer un passage à travers les racines jusqu'au tronc, le serrer dans tes bras, fermer les yeux et dire ton vœu à voix haute. Mowgli! Mowgli! Akela a accepté de te... Mowgli? Oh! Il n'est plus là. Où qu'il soit, il est avec ce satané chacal. Avec Tabaki? Alors il ne risque pas grand-chose. Tabaki est peut-être inoffensif, mais pas son maître. Shere Khan! Ah non! Qu'est-ce que tu attends? Il faut partir au secours de Mowgli, vite! Dépêche-toi! De ce côté, Baloo! Oui, bien entendu! Voilà. Bon, j'espère que tu vas bien m'écouter parce que le vœu que je vais faire est très très important. Je veux devenir un bon chasseur pour que Akela me laisse chasser avec les autres loups de la meute. Tu as tout compris? Ou tu veux que je te le répète? Très touchant. Shere Khan. Attends. Moi aussi, je voudrais faire un vœu, celui de te dévorer, petit homme. Tu feras un parfait casse-croûte en attendant que Shere Khan en ait terminé avec Mowgli près de l'arbre à souhait.
je n'aime pas trop me vanter, mais je dois dire que c'était une excellente idée. Donc, tu as inventé cette histoire d'arbre à souhait pour envoyer Mowgli droit dans les griffes de Shere Khan? C'est exactement ça. Dis-moi, misérable chacal, où est cet arbre? Mais enfin, Balou, pitié, je ne peux rien dire. Shere Khan va me dévorer si je parle. Et tu sais ce qu'on fera si jamais tu ne nous le dis pas. Non. D'accord, c'est bon. Je vais vous y conduire. Aussitôt que tu m'auras posé par terre. C'est le moment de faire un vœu, Mowgli. Alors, où est Mowgli? Oups, je suis vraiment désolée. J'ai sûrement dû me tromper. Oh, tous ces arbres se ressemblent. Parce que je suis bête. Et c'est par là. Tu as vraiment cru que cet arbre pourrait faire de toi un bon chasseur? Tabaki n'est qu'un menteur! C'est vrai. Malheureusement pour toi, tu ne seras bientôt plus là pour le lui dire. Essaye de m'attraper! Si tu y arrives, Shere Khan! Avec plaisir. Je me suis encore trompée. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu ne serais pas en train de nous mener en bateau, Tabaki? Jamais je n'oserais faire une chose pareille. Oh, ça y est, je me souviens. Pas, s'il te plaît, Balou. Avec grand plaisir, bagarre. Laissez-moi descendre. Je vous conduirai au bon arbre cette fois et en quatrième vitesse, promis. Ça ne sert à rien de te cacher. Tu es fait comme un rat. Cet endroit sera ton tombeau. Grand esprit de l'arbre, j'implore ton pardon. Je n'avais nullement l'intention de te déranger. Je m'en vais. Sain et sauf. Tu as eu des problèmes avec Shere Khan? Oh, oui, il a encore essayé de m'attraper. Mais j'ai été beaucoup plus fort que lui. Tu as vaincu Shere Khan seul? Oui, et tu sais ce que ça veut dire? Que je suis assez malin pour aller chasser avec les loups. Ça tombe bien, ce soir, tu vas avoir une autre chance de le prouver à Akela. C'est pas vrai, mais c'est super. Et si Fahona essaie encore de me faire un mauvais coup, cette fois, je me laisserai pas avoir. Tu es prêt, Mowgli? Vas-y. Je crois qu'il a pensé à garder un œil sur Fauna. Hein? J'ai réussi! Akela m'a donné le droit d'aller chasser avec la meute!
Je suis trop content. Toutes mes félicitations. Ha ha ha!